D'accord. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Shine to Lead qui épaule un certain nombre de filles dans l'éducation qui ont opté pour les séries scientifiques. Dans quel contexte cette association est née? Shine to Lead est née dans un contexte tout à fait simple mais nécessaire. Nécessaire et impérieux, qui est d'accompagner les jeunes filles défavorisées au Sénégal dans leur éducation, dans leur épanouissement, dans leur leadership. Et nous avons fait le parti pris d'accompagner les jeunes filles dans les séries scientifiques. D'abord au niveau de Dakar et de la banlieue. Maintenant, c'est un programme national qui couvre les 14 régions du Sénégal. Nahé Batili, est-ce qu'à votre avis, les filles sont conscientes de la chance qu'elles ont d'avoir Shine to Lead? Je pense que oui, et je pense que vous leur avez parlé. C'est évident, c'est une évidence. Et moi, nous, on les a vues évoluer. Parce que quand on les prend au début, elles sont très timides et on voit comment elles se prennent en charge, comment elles ont plus confiance en elles. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on a des programmes académiques, mais aussi beaucoup de programmes dans le développement du leadership, où elles apprennent vraiment à prendre confiance en elles. Des ateliers d'art oratoire, des ateliers de théâtre. Et donc on voit les filles qui sont vraiment, qui changent, qui sont transformées par ce programme. Et bien sûr, elles se rendent compte de la chance qu'elles ont. Et on le voit à travers les résultats scolaires aussi. On a eu cette année de nombreuses bachelières, mais surtout beaucoup de mentions et de belles mentions. Des mentions bien, des mentions très bien. Et pour moi, c'est une très, très grande émotion de voir ces jeunes filles très défavorisées qui vivent dans des conditions difficiles et qui aujourd'hui sont arrivées à avoir le bac avec brio. C'est vraiment une très, très grande fierté et c'est tout à leur mérite. Parce que Shine to Lead, c'est un coup de pouce, mais c'est d'abord elles qui sont courageuses et braves. Shine to Lead a des résultats avec ces jeunes filles. Mais certainement, il y a du concret, mais où est-ce que Shine to Lead trouve des ressources pour apporter cet appui? Vous savez, Shine to Lead, maintenant, ça existe depuis plus de 4 ans. On s'est fait connaître et beaucoup de partenaires nous ont fait confiance. On a beaucoup de partenaires, des entreprises privées, des fondations, des personnes individuelles qui nous contactent, qui nous disent on veut contribuer. Mais aussi, on a un grand réseau de bénévoles. Je vous ai parlé du mentorat. Ce sont toutes des femmes bénévoles qui travaillent, qui sont très occupées, mais qui prennent de leur temps pour accompagner ces jeunes filles. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier au nom de toute l'équipe Shine to Lead et de ces jeunes filles, de leur exprimer toute notre gratitude. Parce qu'elles le font en plus de toutes leurs activités professionnelles, familiales et personnelles. On a très peu de salariés, on a 2 salariés, tout le reste ce sont des bénévoles. C'est aussi ça, c'est la solidarité autour de Shine to Lead qui fait que cette initiative prend de l'élan, continue à grandir. Et comme je dis, moi j'y ai peut-être pensé, mais maintenant elle appartient à des centaines et des centaines de personnes. Certainement, il y a des difficultés. Comment est-ce que vous les surmontez et quels sont vos besoins au jour d'aujourd'hui? Je pense qu'on a encore besoin. Là, on a obtenu très récemment un financement d'un partenaire qui aimerait qu'on ait plus de 1000 mentors. Ben, il faut aller les trouver. Il faut aller les trouver, toutes ces femmes qui seront disponibles pour accompagner les jeunes filles. On est maintenant au niveau national. Donc, il faut qu'on ait plus de relais dans les régions. Et ça demandera aussi un investissement sur le terrain. Et on est en train de voir comment s'organiser et trouver d'autres partenaires pour être beaucoup plus présents sur le terrain, au-delà de Dakar, de Saint-Louis, des grandes villes. Parce que vraiment, nous, on veut aller au fin fond du Sénégal. Et c'est parce que les besoins, ils sont énormes. Dans les zones rurales aussi, surtout dans des zones où il y a beaucoup de mariages précoces, on veut aller toucher ces jeunes filles-là. Et donc ça, ce sont des difficultés à surmonter. Certaines, pas beaucoup de déperditions ou de manque d'assiduité, mais il y en a quelquefois qui sont moins, ou qui ont des... Par exemple, on l'a vu pendant la pandémie, elles étaient tellement débordées par les corvées ménagères, elles avaient un peu de mal à suivre les cours. Donc ça aussi, et ce dialogue avec les parents pour qu'elles soient plus disponibles pour suivre les cours, ça aussi c'est important. C'est un dialogue continu que nous menons. Il y a aussi la connectivité, parce que beaucoup de nos programmes, la majorité de nos programmes, surtout avec la pandémie, se font en ligne, donc le digital. Et sous quelquefois, des problèmes d'électricité, des problèmes d'accès et de connectivité. Donc ça, ce sont certains des défis auxquels nous faisons face, mais nous trouvons toujours des solutions. Et la motivation des filles nous porte pour trouver des solutions. Très bien. Alors, si vous avez plus de possibilités, plus de moyens, qu'est-ce que vous ferez plus?
Ce qu'on ferait plus, c'est peut-être, moi je pense, il y a deux choses, c'est de toucher beaucoup plus de filles. Parce que c'est vrai, on touche des centaines et des centaines de filles, mais moi j'aimerais qu'on touche des millions de filles. Donc c'est vraiment l'échelle, c'est de vraiment arriver à une très grosse masse critique de jeunes filles, parce qu'on a besoin de filles qui ont plus confiance en elles, qui croient en elles, et qui s'investissent plus dans les études, dans les séries scientifiques. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment arriver à une masse beaucoup plus critique. J'aimerais aussi qu'on puisse, bon, avec maintenant que la pandémie, je ne dirais pas qu'elle est derrière nous, mais on commence à vivre avec, qu'on puisse avoir plus de rencontres. Parce qu'aujourd'hui, la rencontre qu'on a, c'est très bien les rencontres virtuelles, mais de se voir, de parler, d'échanger. Donc ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est pendant l'été, qu'on puisse se retrouver, de faire des bootcamps en personne dans une ville du Sénégal, qu'on se retrouve toutes. Parce que c'est important, quand on est ensemble, quand on peut se parler, quand on peut se toucher, l'effet de transformation et l'impact est encore plus fort. La question de l'éducation des jeunes filles, on entend ça souvent dans les discours, y compris de politiciens quand ils sont en campagne. Mais Shine to Lead, c'est quand même du concret qu'on voit. Quelle a été la clé du succès de Shine to Lead? La clé du succès de Shine to Lead, ça a été vraiment de nous concentrer sur les jeunes filles. Il n'y a pas de, je suis peut-être la fondatrice, mais il n'y a pas d'individualité, on n'a pas d'agenda politique. Notre seule motivation, c'est vraiment d'avoir un impact sur la vie des jeunes filles. On n'a aucun autre agenda. Et donc, on est investi à 100% sur l'épanouissement de ces filles, le développement de leur leadership, personnel, académique. Il n'y a pas d'autre agenda. Et vraiment, je pense que c'est l'engagement de chacun de nous, de toute l'équipe. Chacun et chacune est très, 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 très engagé, très investi dans cela. Mais le succès aussi, ça a été la confiance des parents, des partenaires. La confiance des parents, des partenaires et surtout l'engagement des jeunes filles. Alors, vous avez pris quand même, vous avez fait une certaine discrimination. La science, c'est bien, c'est utile, mais peut-être qu'il peut y avoir des jeunes filles qui sont brillantes dans les séries littéraires. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a tellement de choses à faire. Et nous, on a fait ce parti pris là, comme je vous ai dit. Si on pouvait, on nous a même dit pourquoi ne pas toucher les garçons. Et j'aurais aimé le faire, mais on ne peut pas tout faire. On sait qu'il y a un besoin dans les séries scientifiques. On a un besoin d'avoir plus de filles en sciences. Donc ça a été notre choix. Mais bien sûr, je sais que d'autres s'occuperont d'autres jeunes filles ou de l'éducation en général. C'est notre contribution. Il y a beaucoup d'autres contributions et je suis convaincue que la somme de toutes ces contributions permettra vraiment de faire avancer l'agenda de l'éducation au Sénégal et en Afrique. Et que vous disent les dirigeants à propos de votre association? On a beaucoup d'encouragement et c'est ça aussi qui nous porte, c'est qu'on est encore, chaque fois qu'on en parle, on a beaucoup, moi je reçois des messages de part et d'autre, de personnes qui ne savent même pas, on a par exemple cette année eu des bachelières qui ont 13 ans, elles sont là aujourd'hui, Aminata et Rama, elles ont 13 ans et on les suit depuis 3 ans. Et on a demandé à leurs parents, on leur a dit laissez-les en première S, en seconde S, afin qu'elles puissent, et on a fait ce qu'il fallait pour qu'elles puissent, parce qu'elles étaient tellement jeunes, pour qu'elles puissent être connues, qu'elles puissent avoir une bourse aussi. Après, elles ont obtenu une bourse des plus hautes autorités, et c'est parce qu'on a pu les faire connaître à travers Shine to Lead. Donc c'est ça, c'est vraiment tout cet encouragement qu'on reçoit des autorités, des partenaires et de toutes les bonnes volontés. Naïva Tivi, présidente donc de Shine to Lead, les filles que vous épaulez, demain ce sont les futurs leaders de ce pays, de ce continent. Alors pensez-vous que si on a une femme présidente au Sénégal, femme présidente au Bénin, en Côte d'Ivoire, quelque chose va changer pour l'Afrique? Oui, il ne faut pas en faire une obsession. Il faut être sûr que les femmes joue un rôle aussi important que les hommes dans la société. Présidente, oui, ou alors Premier ministre, on en a déjà eu au Sénégal, d'ailleurs on a eu deux femmes Premier ministre, donc que les femmes en tout cas aient leur place, jouent leur rôle dans la société. Présidente, oui, pourquoi pas, mais pour nous ce n'est pas une obsession, ce qui est important c'est l'éducation et que chaque femme trouve sa place et apporte sa contribution à la construction de l'édifice africain et sénégalais. Alors, la question du genre est aujourd'hui débattue un peu partout dans le programme de développement, l'éducation, dans ci, dans ça. C'est
certains estiment que voilà, les femmes sont souvent mises de côté. Quand je prends notre cas, les médias, souvent on se bat pour donner de la parole aux femmes sur le terrain, mais souvent ce n'est pas facile. Elles n'acceptent pas de parler. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques pesanteurs sociales qui bloquent. Mais nous, on fait cet effort-là. Comment je suis tout à fait d'accord. Et c'est le travail qu'on fait avec Shine to Lead. Quand elles arrivent, elles ne veulent même pas ouvrir la bouche parce qu'elles n'ont pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de les mettre en avant. Et c'est ces ateliers, par exemple, que nous organisons de prise de parole en public, petit à petit, leur donnent confiance en elles. Et c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes dans le secteur privé, de plus en plus de femmes dans beaucoup d'autres sphères qui prennent la parole, qui prennent leurs responsabilités, qu'on entend. Et donc petit à petit, ça se fait, ça avance, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite, mais ça avance. Et ce travail qu'on fait, à toutes ces pépites qu'on fait éclore à Shine to Lead, ben, ce seront elles demain, vous n'aurez plus de mal à trouver des femmes pour prendre le micro, ça je vous promets. Quelles sont vos aspirations pour le futur pour Shine to Lead ? D'avoir vraiment encore plus de jeunes filles que nous accompagnons. Je vous l'ai dit, nous touchons des centaines de jeunes filles. Pour moi, c'est encore une goutte d'eau dans la mare. J'aimerais qu'on en ait des millions. Des millions que nous accompagnons au quotidien. C'est possible. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires, mais aussi toutes les bonnes volontés, les bénévoles qui nous accompagnent au quotidien. Et surtout les jeunes filles, parce que c'est elles qui nous portent et qui nous motivent, parce qu'elles réussissent et parce qu'elles s'épanouissent et parce qu'elles grandissent au quotidien à nos côtés. L'occasion pour moi pour souhaiter une très très belle, une très heureuse année 2022 pour à tous, à toutes nos équipes, aux lauréates, à vous-même et à toutes vos équipes aussi, que 2022 vraiment soit, que la pandémie soit derrière nous, en tout cas maîtrisée, et surtout que ce soit une année encore d'élévation personnelle, intellectuelle, je l'ai dit, mais aussi au niveau collectif. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Africa Globe TV. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Shine to Lead.